Meghan et Harry, la reine discute de Poutine avec le président américain Biden lors d'une réunion. La reine a parlé à Joe Biden des relations des États-Unis avec la Russie et la Chine lors de leur réunion du G7, a révélé le président américain. Monsieur Biden et son épouse Jill se sont rendus au château de Windsor sur Marine One dimanche après avoir assisté au sommet du G7 à Cornwall. Après la réunion, Monsieur Biden a révélé aux journalistes que la reine l'avait grillé sur divers sujets. Cela comprenait ses relations avec le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, qu'il doit rencontrer cette semaine. Monsieur Biden a déclaré, elle voulait savoir quels étaient les deux dirigeants que celui que je suis sur le point de rencontrer, Monsieur Poutine, et elle voulait savoir sur Xi Jinping. Sa révélation a également été surprenante, car les présidents et autres dirigeants ne parlent généralement pas de leur réunion avec la reine. Monsieur Biden avait précédemment évoqué l'importance de sa rencontre avec Monsieur Poutine aux dirigeants du G7 dimanche. Il a décrit la relation actuelle entre les deux comme à un point bas historiquement. La semaine dernière, le président a également déclaré au personnel militaire que Monsieur Poutine se ferait dire sévèrement ce que je veux qu'il sache lors de leur réunion. Il a déclaré, c'est mon premier voyage à l'étranger en tant que président des États-Unis. Je me dirige vers le G7, puis vers la ministérielle de l'OTAN et ensuite rencontrer Monsieur Poutine pour lui faire savoir ce que je veux qu'il sache. À chaque étape du processus, nous allons faire comprendre que les États-Unis sont de retour et que les démocraties du monde se mobilisent pour relever les défis les plus difficiles et les problèmes qui comptent le plus pour notre avenir. Pendant ce temps, les Bidens sont arrivés pour leur rencontre avec la reine quelques minutes avant la date prévue. Une garde d'honneur, formée des gardes du 1er bataillon de grenadiers de la Queen's Company, a fait un salut royal et l'hymne national américain a également été joué. Monsieur Biden a marché avec l'officier commandant la garde d'honneur, le major James Taylor, et le major général Christopher Gicka pour inspecter la garde d'honneur, avant de regarder les militaires défiler avec la reine et la première dame. La reine portait une robe Stewart Parvin avec une veste à imprimé floral dans des tons de rose, d'olive et de roux. Elle portait également un chapeau de Rachel Trevor Morgan et la broche étoile en diamant jardine. Monsieur Biden marchait aux côtés de la reine alors qu'il se dirigeait vers le château. On l'a entendu dire au président, vous avez terminé vos pourparlers. Il a répondu, oui, nous l'avons fait. Avant d'entrer, la reine a présenté les Bidens à sa dame d'honneur, Annabel Whitehead. À la suite de ses entretiens avec la reine, Monsieur Biden l'a également décrite comme une figure maternelle. Il a déclaré, j'ai dit que j'aimerais que nous puissions rester plus longtemps, peut-être que nous pourrions retarder les voitures une minute, etc. En tout cas, elle était très aimable. Je ne pense pas qu'elle serait insultée, mais elle m'a rappelé ma mère, son regard et juste la générosité. Il a ensuite confirmé qu'il avait invité la reine à la Maison Blanche. La reine avait déjà rencontré les Bidens plus tôt dans le week-end. Elle a organisé une réception pour les dirigeants du G7 et leurs conjoints vendredi soir à Cornwall.